Coucou YouTube. Alors, pour vous, ça a changé de jour. Pour moi, c'est toujours le même jour. J'avais dit que j'irais me coucher pas tard, mais on a filmé pendant... Bon, on a enregistré une demi-heure la fois d'avant. On va essayer de ne pas utiliser le déplacement, déjà. Hop, on va laisser tous les crimes en cours. Et on va essayer d'aller chercher les enregistrements sonores. Foiré mon coup, hop. On va essayer d'aller chercher tous les enregistrements sonores. Parce qu'apparemment ça m'a filé 5% de balancement en plus. Alors je sais pas si c'est si c'est mon niveau ou si c'est les enregistrements sonores qui en plus de ramener qui en plus de rameuter du... Hop là. Des jetons d'activité sont aussi assez intéressants au niveau stat. Donc là. Ton père et moi, on s'endormait tous les soirs. Ouais, ok. Quand on était gamin. Le rythme était parfait pour ça. Alors, un truc rythmé qui était déjà là quand papa et oncle Aaron étaient petits. Le pire, c'est que j'entends rien du tout. Non, pas par là. C'est pas ça. C'est un bon rythme, ça. Mais personne ne joue la nuit. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est bien plus petit que je l'aurais cru. C'est peut-être un truc mécanique. Encore un grillage. Il y a l'air d'y avoir un métro. Un peu de hauteur. Bon, ça suffit là. Oh, Spider-Man. Oh mon Dieu. Il y a une ligne de métro qui passe juste là. Ah oui, ça me paraît plus être un bruit de... Grille au sol. C'est pas ça. Ça a l'air d'être une grille de métro au sol. La station de métro est là. Attention. Le métro il passe sous du coup. Peut-être ça. Non. Ça fait vraiment ligne de métro style chlouk 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 chlouk. Je dois attendre que le métro passe et me rapprocher assez pour l'enregistrer. Mais elle est où la ligne de métro? Il y a une ligne de métro qui passe juste là. Où ça? Juste là? Oui, mais je la vois pas passer, la ligne de métro! Pas dedans du coup, hein. On peut pas y aller dedans. Non, on peut pas y aller dedans. Attention. Je dois attendre que le métro passe et me rapprocher assez pour l'enregistrer. C'est
bassin, donc on s'en fout. Chiante celle-là parce que je sais pas où est la ligne de métro. C'est sûrement une grille de métro, hein, y a pas photo. Hein. Attendre que le métro passe et me rapprocher assez pour l'enregistrer. Pour enregistrer quoi? Ah, je sais quoi, mais ça m'a pas l'air d'être ça. Attendre que le métro passe et me rapprocher assez pour l'enregistrer. Ah non, non, la lumière est moche. Plus à gauche. Mais c'est pas ça. On peut pas vraiment parler de rythme. Ok, bon. Non, je trouverai rien par là. J'adore ta nouvelle combi, Spider-Man. Merci. Je suis allé trop loin, je crois. Spider-Man? Je dois attendre que le métro passe et me rapprocher assez. Mais. Le problème, c'est enregistré quoi? J'arrive pas à distinguer le. Ouais, le métro passe de ce côté. Vaut rien. Ah là. Faut que j'y aille, Spidey. Mais faites-moi signe si je peux aider. J'ai jamais eu aussi froid. Non. Merci pour la distraction. Mais maintenant, c'est bon. Il y a une ligne de métro qui passe juste là. Je dois attendre que le métro passe et me rapprocher assez pour l'enregistrer. C'est vraiment la période la plus magique de la vie. Ah, c'est ça, mais le métro, il en est où? Comment on sait quand le métro il arrive? C'est un peu nul ça. Je dois attendre que le métro passe et me rapprocher assez pour l'enregistrer. Non, pas par là. C'est pas par là, mais comment on sait où est le métro? Mes sœurs dansent à la fête de Kwanzaa ce soir, faut pas que je loupe ça. Oh non, je suis en retard. Vache, le soleil m'éblouit. Je crois que c'est derrière. Petit message. Attendez que le métro entre en gare. Faut attendre que le métro passe et me rapprocher assez pour l'enregistrer. Vous voulez pas vous faire une Spider mobile? Est-ce qu'on peut aller voir là où il en est le métro? Attention! Oh! Hey, Spider-Man! Parce qu'il y a du monde, mais. C'est là où on est.
Merde, non, c'est pas là où on est. Les vacances, la famille, ça, c'était l'autre. Ok. Ça y est, je m'ennuie. Salut. Je veux pas faire ma... Au moins, vous savez qu'on peut faire des. C'était sympa. Excuse-moi. Okay. Regarde. C'est un truc de. Ok. C'est assez bizarre parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de métro là-haut. Un rythme régulier, toujours prévisible. Alors, un truc rythmé qui était déjà là quand papa et oncle Aaron étaient petits. Les vacances de Noël, c'est pas des vacances pour tout le monde. Moi, je bosse. On est obligé de se les faire. Okay. C'est un bon rythme, ça. Mais personne ne joue la nuit. Qu'il faut tout refaire. On peut pas vraiment parler de rythme. Je voudrais bien rester. Oui, ok, je pense que c'est parce qu'il y en avait un autre du coup. Non, je trouverai rien par là. Ces artistes de rue s'améliorent vraiment. Ok. Donc c'était pas les trucs. J'aurais pas trouvé, hein, je dois vous avouer. On va descendre tout droit et puis faire ça ou faire celui-là déjà. Faire celui-là. On nous évitera de passer. Non, c'est quoi le truc bleu? Pillard. Ah oui, c'est une mission annexe. On l'a pas fait. Mais ton père et moi avons grandi tout près d'ici, avant de déménager à Brooklyn pour aller au lycée. Entendre le cliquetis des roues, le grincement des freins quand les rames tournent ou s'arrêtent, ça me rappelle les discussions qu'on avait avec ton père jusque tard dans la nuit. À parler de ce qu'on s'imaginait devenir une fois adulte. Moi, je voulais être conquérant de l'espace. Ton père, ça changeait régulièrement. Médecin, pompier, assistant social. Mais c'était toujours pour aider les autres. Ça m'étonne pas de lui. Non. Donc on est obligé, il semblerait qu'on soit obligé de faire les premiers. Après, voilà, c'est bon à savoir. Et du coup, si on le trouve pas, il suffit de chercher le truc trop éloigné, machin. Oups là, pardon. Hop. Ta mère est venue habiter ici juste après la fac, tu savais ça? Ton père et elle sortaient ensemble. On passait pas mal de temps ici, tous les trois. On s'est vite habitué à ce rythme léger et régulier. Un rythme doux. Non. C'est pas très régulier comme son. Et pas doux non plus. Ah, c'est ça. Okay, donc il n'a pas été. Ouais, c'est subtil. Il n'a pas été réparé depuis des années. Ok. C'est un bon beat. Plein centre de Central Park. La vie était belle à l'époque.
On pensait que ça durerait toujours. Ta mère a décroché son premier poste d'instit. Ton père venait d'intégrer la police, et moi, je commençais à me faire appeler le rôdeur. On avait tous les trois des aspects de notre boulot qu'on voulait garder secret. Mais ça ne pouvait pas durer. Mon boulot et celui de ton père étaient trop souvent en conflit. Oncle Aaron, t'aurais pu choisir n'importe quelle autre voie et maman et papa t'auraient soutenu à 100%. Ah, c'est un des trucs de pourquoi j'aime bien Spider-Man. C'est que c'est... Celui-là était une idée de ton père. Il faut toujours avoir un point de ralliement dans un parc. Calme quand on est seul, animé quand on est en groupe. Animé quand on est c'est en que groupe. C'est assez... C'est assez... Les déplacements sont fluides. Le soleil est aussi froid en même temps. Pigeon. J'aurais fait peur, j'aurais dû y aller en mode... C'est pas ça du tout. Pas mal. Mais c'est sûrement trop subtil pour marcher. Sûrement un truc qui est toujours là, comme des oiseaux ou... Mais les oiseaux, ils étaient là, mais ils sont partis où, du coup, maintenant? Je crois que c'est derrière. Il était là il y a une seconde. Papa a pu enregistrer ça, c'était l'homme qui murmurait à l'oreille des pigeons ou quoi? C'était il y a longtemps, avant le lycée même. On traînait dans le parc un jour et quelqu'un a fait tomber son hot dog. T'imagines tout de suite la scène, des dizaines de pigeons sont arrivés de partout. Ton père s'est arrêté net et il m'a dit, Aaron, écoute, on dirait de la musique. Le lendemain, on sillonnait Manhattan à la recherche de son. Exactement comme toi maintenant. Wow. Sur une corde. Bah sur une corde, sur des toiles d'araignée. C'est un endroit sympa ici. Ton père et moi, on traînait souvent là, à écouter la gare prendre vie d'un coup. Exactement ce qu'il te faut. Un élément de la caserne. C'est là, pardon monsieur. Ça. C'est sûrement l'alarme incendie. Il faut que je m'approche. La caserne. Ok, bon, ça veut dire. C'est cool. Mais ça ressemble pas vraiment à la caserne qui prend vie. Une alarme? Je
pense pas que ce soit ça, mais... Je le garde en tête pour un autre morceau. Si j'arrive encore en retard, autant... Pas le temps de parler. Ah, bon là je l'aurais. J'ai un peu eu du mal aussi, je dois vous avouer. Des feedbacks recours, ok. Du coup, il restera ça. Ça. Ok, il nous en restera 3. 5 sur 10. 1, 2, 3. Les deux derniers se débloquent. Ici que ton père a eu envie de devenir flic. Je lui ai dit qu'il était pas assez coincé pour un boulot pareil. Mais il voulait changer les choses. De l'intérieur. Je suis sûr que c'est ce qui a fini par le tuer. T'as changé les choses, papa. Et je vais faire comme toi. Voilà, ce que j'aime bien avec Spider-Man, c'est vraiment les déplacements qui sont très fluides. Pour vous donner une idée, dans l'ancien... Je n'ai pas utilisé une seule fois le déplacement rapide. Parce que même là, il fallait se déplacer d'un kilomètre et quelques. Et ça se fait super bien à la toile, quoi. J'ai cru comprendre qu'il y avait un hélico devenu incontrôlable dans ton secteur. Non, mais je récupère des sons. Times Square. Un point de rendez-vous idéal. Mais on peut aussi facilement s'y perdre. Le son que tu cherches fait penser à un courant électrique. Un courant ? Je pourrais tricher avec la bioélectricité ? Non. Ah, celui-là, ça aurait été assez rapide. Oh, génial ! Super vivant comme son. Après que j'ai commencé à me faire appeler le rôdeur, c'est sous ces néons que j'ai donné rendez-vous à ma première cliente. Difficile de les rater. Et la foule permet de facilement passer inaperçu. Elle voulait que je vole un tableau. Et là, de l'autre côté de la place, j'ai vu ton père qui me regardait. Il n'a pas dit un mot. Il s'est retourné et il est parti. Il savait pas ce que je faisais. Seulement que j'étais un voleur. Et c'était déjà bien assez. Je crois qu'il avait compris il y a longtemps... On prendrait des chemins différents. Si t'étais rentré dans le droit chemin plus tôt, il t'aurait pardonné, j'en suis sûr. Qu'on en apprend un peu plus sur pourquoi ils sont plus... Pourquoi ils se parlaient plus, c'est ça qui est bien. Ce son me fait toujours penser à un moment de fête, même si c'est seulement pour indiquer l'heure. Ton père avait la même impression, alors on pouvait pas passer à côté. Un son qui donne l'heure? Ok. Non, je m'éloigne trop. Non, pas par là. Avancez, avancez. Courez. C'est ça. Ça va. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est remonté à 63 ressources. Donc ça, c'est cool. Quand j'entends ces cloches, ça me rappelle la dernière fois que j'étais là. Ton père venait de sortir de l'école de police. Je suis pas allé à la cérémonie de remise des diplômes, alors je l'avais retrouvé juste après. Je nous avais acheté à chacun un milkshake. Fraise pour lui et beurre de cacahuète pour moi. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça en particulier. Il m'a annoncé qu'il pourrait plus me couvrir si je continuais mes histoires. Et je lui ai dit que j'avais tourné la page, même si c'était faux. Il m'a cru pendant quelques temps. Ou au moins, il a fait semblant. Wow. Ça a fini par devenir compliqué entre eux. Petite coup de prise de vitesse avec la bioélectricité. Finalement, on la perd en se lâchant plus tard. Vous êtes...
suis un Kinder Surprise, c'est vrai. Hop là. Cette place et les immeubles autour sont pleins de bruits différents. Celui que tu cherches est cristallin et bien distinct. Cristallin. Cristallin et bien distinct. Vas-y, parle-moi. La batterie de mon téléphone. Ah non, mais c'est pas ça. Ah si. Bon, je continue de chercher. Quelque chose d'unique. Quelque chose d'une. Je veux bien rester bavardée, mais je peux pas. Ça. Oui, un carillon. C'est chou ça. Ça doit être ça. Où est-ce qu'on avait vu qu'on en avait. Vous êtes en pause ? C'est sur cette place que j'ai eu ma première mission. Je sortais à peine du lycée, sans masque ni aucun matos. Un type m'a payé pour braquer son patron, juste histoire de le malmener un peu et prendre ce qu'il avait dans son portefeuille. Ton père a tout découvert. Il m'a crié dessus pendant une bonne heure, juste en dessous de ce carillon. Mais il a jamais rien dit à nos parents. Il m'a fait promettre de plus jamais voler. J'aurais aimé tenir ma promesse. Ça fait un moment que tu le... Il méritait mieux que ça. Ouais, je regrette aussi. Peut-être que papa et toi, vous seriez restés amis. J'imagine pas tourner le dos à ma famille un jour. Si on a le temps, après on récupérera quelques cachettes de l'Underground, machin, tout ça. C'est vrai que là, au moins, ça nous a permis de bien récupérer... Bien récupérer les compos. Comment ils peuvent se tirer dessus avec tous ces innocents autour d'eux? À un moment, j'ai quand même un son à finir, quoi. On va pas se terminer toute seule la mixtape. Hein. Tu devrais t'amuser avec celui-là. J'avais un client régulier que je retrouvais ici. Et j'avais l'habitude d'attendre, d'écouter les sons qui revenaient de manière régulière. Un son qui respecte un horaire. Qui respecte un horaire. Un ferry. En taille profonde. Le client que je retrouvais ici prenait souvent le terminé échantillon sonore. Il payait bien. Ok. Jusqu'à ce qu'il se fasse coincer. C'est à cause de lui. Donc on est là, on va faire la cage de l'Underground ici. Ça c'est quoi? Ça c'est la mission. Je pense qu'on va faire toutes les zones. Tout ce qu'il y a dans la zone là éventuellement, sauf le laboratoire. La Vaudroxone Sud. On verra, on va déjà faire les caches. A découvert le rôdeur. Pas moi personnellement, mais le voleur qui commençait à se faire une petite réputation à New York. Et ton père s'est proposé pour prendre l'affaire. Je sentais les taux se resserrer. Je
Je me demandais ce qui serait le pire. De tout lui dire, ou que ce soit lui qui me démasque. Si ça avait été moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais ça peut pas être pour ça que papa a coupé les ponts. Pas s'il avait avoué. C'était pas le genre de papa. Hé, hey, petit gars. T'as presque tout récupéré pour faire ce morceau. Maintenant, tu vas pouvoir te rendre là où se trouve le dernier élément. Je te souhaite bon courage. C'est à Harlem. J'ai aucune idée d'où est Harlem. Hein. Ça a l'air d'être ça. Je me demande où est le dernier élément. Ok. Je devrais peut-être leur laisser un petit mot. Non. Ok, alors c'est pas vraiment dans le centre. Ça, je crois. Il n'est pas dans la liste. Bon, on va essayer d'aller à Harlem. Hein. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'on va quand même vachement vite, je trouve. Alors, certes, à voir, c'est peut-être pas aussi agréable qu'à jouer. Mais à jouer, c'est quand même hyper fun. Je vous dis, il y a deux jeux dans lesquels j'ai pas utilisé le déplacement rapide. C'est Red Dead Redemption. C'est pareil, j'avais... Ok, celui-là il était pourri par contre. Alors pas Red Dead Redemption, hein, mon saut, pardon. C'est Red Dead Redemption 2, où je n'ai pas utilisé de déplacement rapide en calèche machin. Parce que les balades à cheval étaient assez plaisantes. Et puis parce qu'il y a toujours des trucs à faire, des gens qui bougent, machin, tout ça. Et bah celui-ci. Spider-Man, j'avais jamais utilisé un déplacement en métro. Là, je l'ai utilisé hier parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Pas hier. Oh là là, tout à l'heure. Quand on a découvert le tout premier enregistrement. Parce que bah vous en souvenez, c'était il y a 20 minutes. Je pensais vraiment que c'était ça qu'il fallait faire. Mais voilà, sinon c'est vrai que j'ai jamais utilisé un truc. Alors, il se déplace un petit peu plus en mode gros lourdo par rapport au vrai Spider-Man. J'ai l'impression qu'il prend pas assez de vitesse. Par rapport au vrai, mais... Bah, par rapport au vrai. On peut faire des figures aussi comme ça pour l'expérience. Roxxon et l'Underground s'affrontent encore. L'Underground et Roxxon s'affronter ici. Il
C'est vrai que c'est assez agréable. Les balades dans New York comme ça, c'est assez fun, surtout quand comme ça vous avez pas mal de vitesse. C'est de la merde. Tunnel désaffecté du métro. Tous les voleurs ont besoin d'une planque stylée. Tout au commencement, bah du coup c'est pas la planque de... Si on dirait. Séquenceur et Si c'est ça. Vintage. C'est forcément le matos donc là. Bah putain le MacBook il a encore bien de la... Il a encore bien de la batterie hein. Il est Il a toujours été bien peut-être meilleur branché. joueur de guitare que moi. Il venait très souvent chez nous pour le dîner. J'imagine qu'il a jamais vraiment appris à cuisiner. Utilise les sons. Ok. Bon, ça va. Un peu électro sympa. Ouais, c'est pas mal. Un verrou à fréquence? On n'arrête plus le progrès. Ah, tenue menace violette. J'espère que cette tenue te va bien. Tu voulais savoir pourquoi ton père et moi on se parlait plus. Elle est classe. En fait, il enquêtait sur le rôdeur. Et son enquête l'a mené à certains de mes clients, comme Simon Krieger et Wilson Fisk. Il pouvait pas se permettre de s'attaquer à des types comme ça. Pas avec toi et Rio à protéger. Alors je lui ai dit la vérité, espérant qu'il laisserait tomber. Et il a tout laissé tomber. Moi inclus. Et pour de bon. Il voulait plus me voir. Il voulait pas que tu deviennes comme moi. J'espère que cette tenue t'aidera à être meilleur. Prends soin de toi, Spider-Man. Merci donc, Laron. Merci pour tout. Je pourrais redescendre du coup des fois ou pas? Oh, c'est dommage. Elle est vraiment jolie la tenue violette. Elle est assez classe. Ok. Ça se fait pas de pirater des hélicoptères. Je vous laisserai pas faire tomber un hélico sur Manhattan. Purée. Underground neutralisé. Maintenant, l'émetteur. Une photo de transmetteur comme celui-là. Tiens, attrape!
désactiver l'émetteur. Bah. Je dois couper d'autres transmetteurs pour annuler. Le... C'est vraiment pas mal. Oh, pardon. De s'occuper de l'émetteur. C'est très facile, elle ne m'a pas attaqué. Piratage contré. Oh mince, il fallait éliminer des ennemis avec le camouflage. Tant pis. Moi, je pense qu'on va faire pillard avant d'aller se coucher. Puisque. Je vais juste faire un truc. C'est une petite sauvegarde manuelle. Hop. Hop là. Elle est jolie la petite truc en vert. Parce que pillard en fait c'est une mission annexe que j'ai depuis une éternité, mais je me dis, bah je me suis dit que j'allais pas la faire tout de suite, parce que j'aime bien me balader en ville, résoudre des crimes et tout. Mais je me rappelle plus s'il y a des missions annexes dans l'autre. Du coup je me suis dit bon bah je les fais pas, tant pis. Bon en gros il y a des pillards depuis C'est lui ? On dirait que l'Underground est en train de bidouiller un panneau publicitaire. Ah oui non, ok, j'ai cru que c'était ça qui m'appelait. C'est toi qui m'appelle ? Où est-ce que tu te caches ? Je suis juste là. Hein ? Mais non, pas toi, mon chat. Il porte le nom du vrai Spider-Man. Je viens de me faire cambrioler par une bande d'ordures. Et ils m'ont pris mon Spider-Man aussi. C'est horrible. Vous savez vers où ils sont partis? Ah oui, c'est écrit sur le panier. Sur le dire qu'ils allaient s'en prendre à la sous-station électrique, à côté d'ici. Ah ouais, carrément, ouais, qu'on y va. Ok. Mince, attendez, faut que je mette l'Apple Watch à recharger. Bougez pas. Hop là. Non, plus ça va, plus j'aime beaucoup cette tenue. Spider-Man. T'inquiète, on va te le retrouver, ton Spider-Man. Enfin, depuis le temps que c'est en cours, par contre, la mission. Bah, depuis le temps qu'elle est en attente. Arrête de crier! Mais qu'est-ce que tu fiches? Montre-toi, Spider-Man! T'as dit, je vais te le ramener si tu l'as emmené. J'ai appelé Ganky quand je serai sur place. Qu'est-ce qu'ils iraient faire dans une centrale électrique? Ouais, avec un chat. Je peux entrer par là. Vous voyez, les déplacements sont assez. C'est sympa. Hey mec, des types ont cambriolé la bodega de Théo et après ils sont allés à la centrale électrique la plus proche. Chelou, je t'écoute. Je suis ta retransmission en direct. J'ai pas vu la porte. Spider-Man, t'es ici? Il tire sur les transfaux. Dors bien, mec. Tu trouves que j'ai une tête d'électricien? Continue de tirer et de couper des câbles. Fais pas chier. Pas la peine de me donner des ordres, Maquistador. T'es vraiment sûr que ça va couper tout le quartier? Ouais, quasiment sûr. Mais si on en détruit quoi?
quoi ça? Encore un gros coup et je me tire. C'était quoi? J'ai trouvé des toiles là! Ouvre l'œil! Je pensais pas dire ça un jour, c'est au moins pas toujours en cabane. Aussi facile. Là-bas, il y a du chauffage. C'est quoi ce truc là? Ouvre l'œil! Spider-Man est là! J'ai entendu un truc. C'est quoi ça? Y'a quelqu'un? Appelez le patron! Dites-lui que Spider-Man est là! C'est vous qui avez fait le casse chez Théo? Où est Spider-Man? Où est Spider-Man? Le débit de cette station est tombé à 64%. Essaie de trouver un système de secours. Parce que c'est le système de secours. C'est là-bas. Ah, ok, bah pourquoi c'était pas affiché? Bien vu pour les systèmes de secours. T'es fort en truc de héros. Non, je suis juste un spectateur. Au niveau du visage, elle est je bizarre. Je retrouve le chat de Théo. Ah. Spider-Man, attends, attends. Spider-Man est dans la cage d'ascenseur. C'est bon. Je viens de chercher Spider-Man. Tiens bon. Spider-Man, attends. Toile. Je crois savoir ce que veulent ces types. Il y a une banque dans cette rue. Pas de courant, donc pas de sécurité. Donc, si on rétablit le courant, on empêche un braquage? Empêcher les crimes avant qu'ils soient commis. Dans un monde où deux héros peuvent voir l'avenir, eux seuls peuvent faire régner la justice. Bon, allez, faut que je me concentre. C'était quoi ce bruit? Vous avez entendu? Alors là, je vais te coincer. J'ai quelque chose pour toi. J'ai cru que je t'avais attrapé ton truc, moi. On dirait que quelqu'un les paye. Tu crois que c'est... Qu'est-ce que... Plus de courant du tout. Je m'en occupe. Activation de l'éclairage de secours. C'est bon, tu peux rétablir le courant en chargeant les autres systèmes de secours. Ça marche. Combien de personnes pour braquer une centrale électrique? C'est toi qui as lancé le circuit de secours? Je croyais que c'était toi. Non, c'est peut-être un ouvrier de la station. Ouvre l'œil. Il y a déjà plus de courant. Pourquoi on continue de le couper? Pour être sûr que pas c'est de bol bien sur ce coup. Désolé. Je voudrais pas qu'il croit qu'on a bâclé le boulot. Non. Bien vu. Oh, j'aurais dû faire médecine. Quand on aura touché notre part, tu pourras te payer 9 écoles de médecine. Il y a un truc qui est bien avec. Nouvelle victoire pour Spider-Man. Plus de trucs à voler. Ça a attiré personne. En
encore un gros coup et je me tire d'ici. Salut! C'est qui votre patron? Quelqu'un que je connais? Il a disparu! On se bat contre un fantôme, c'est génial! C'était limite. Et voilà. On est un. Faut que je trouve les. Ils sont tous pendus au plafond. Voilà. Ok. Je dois avancer. Trouver le générateur principal et le réparer, si je peux. Ils arrêtent pas de parler de leur patron. T'as une idée de qui c'est? Il y a un paquet de monde qui veut braquer des banques. Bon, j'aurais essayé. Voilà le coupe-circuit. Je vire ces types et je vois si je peux le réparer. Je repense à toutes les mauvaises décisions. Faites gaffe! Quelqu'un essaye de saboter notre travail! Eh ben ouais, tu m'étonnes. Le patron a beaucoup trop d'ennemis. Ouais, en fait, mais il les écrase à chaque fois. Non, pas tous. Spider-Man, par exemple. Celui qui a organisé ce braquage connaît bien Spider-Man. C'est pas dans le bon sens. C'est forcément l'autre. J'ai pas tant d'ennemis que ça. Pour l'instant. Je suis tellement optimiste. Tu crois pas que c'est Spider-Man qui essaye de saboter notre boulot? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais en fait, le patron le déteste. Et je crois bien que Spider-Man... C'est un rat de fric. J'aurais juré avoir entendu un truc. Faut croire que non, Il faisait pas aussi c'était quoi froid l'hiver dernier. C'est quoi ce bruit? Vous avez entendu? Hein? Y'a quelqu'un? Tant pis! Je vais la jouer bourrin! Je peux pas le toucher d'ici! J'arrive pas à le toucher en l'air! Prends ça! Bah frappez toi. Bim. Quelqu'un qui a une arme. Ça va très mal se finir pour toi. C'est là-bas, ok. J'ai une ouverture. C'est bien, tu tiens bien l'arme dans tes mains. Voyons le disjoncteur. Dion. Mince, le tableau est pas alimenté. J'ai besoin d'un générateur. C'est parti. Vous voyez, c'est toujours à peu près la même chose, ça. C'est ce qu'on m'a fait dans la première... dans la première game et tout, dans la première vidéo. Spider-Man? Tu l'auras pas. Tu sais pas qu'il faut laisser les animaux s'habituer à leur environnement? T'as vraiment mal choisi ton jour. Arrête de bouger. T'es mort. Dites-moi qui voulait braquer la banque. Rendez-moi le chat et je vous laisse partir, ok? Marchez pas conclu. Menacez pas ce que ça fait. Alors, tu veux toujours être Spider-Man? Non mais sérieux, balancez votre chaise. Je finirai bien par trouver. Je crois qu'on a peur de toi. Il est 10 fois pire. Ça veut dire quoi, votre patron est pire? Je suis en train de vous étaler. Je ne pas les gens. Le patron si. À nous tous, on aura. J'avais pas vu lui encore. Prépare-toi à souffrir. On va bien se marrer.
Mais... Tu peux faire tes prières. Laisse-moi te jeter une mine dans la gueule. Je peux toujours tabasser un fantôme, hein. Je tire dans le vide, là. Je veux monter. Merci. Ah oh non, j'y crois pas quoi. Tu sais pas qu'il faut laisser les animaux s'habituer à leur environnement. Ok. Marché pas conclu. Le laissez pas s'échapper. Non mais sérieux. Balancez votre chaise. Je finirai bien par trouver. Il est 10 fois pire. T'es nul, Spider-Man. Esquive ça. Votre patron est pire. Je suis en train de vous étaler. Tu ne tues pas les gens. Le patron aussi. Tu t'en sortiras pas vivant. Ne laissez pas vous piéger. T'es à moi. N'avez pas d'autre chat à fouetter. Tu vas morfler sévère. Lance un truc. Ouah, il nous prend pour des toasts. Je vais t'écraser. Il n'est pas invincible, le héros. Bon, ne dis pas non plus du coup. Sans se planter cette fois. Oh. On y va, Spider-Man. Le petit chien, ça serait mieux avec un chien, mais. J'ai pas de quoi faire. Et la lumière fut. C'est moi. J'ai rétabli le courant, empêché le braquage et. Alors, par là-bas. Petite journée tranquille. Je vais mentionner ces types et leur chef sur l'ASDQ. On en apprendra peut-être plus sur qui on a affaire. On se rappelle. Hop là, voilà, tu vas retrouver ton papa. Oh, pardon. Hey Théo, j'ai une surprise pour toi. Ah ouais ? Quoi donc ? Oh ! Spider-Man ! Le chaton. Alors t'es encore parti draguer ? Oh, oh là là. T'as failli me faire faire une crise cardiaque. Ouais, t'es un vilain, vilain chaton. Vilain, vilain chaton. Un vilain chaton. Ah ouais. Bien joué, l'autre Spider-Man. Mmh. Merci. Ouais. Pas de quoi. Moi, oh, je peux. Alors, caresser le chat. Le boss des voleurs de chats. J'essaie de recouper des incidents qui pourraient avoir un lien. Des cambriolages dans la rue commerçante de Harlem et un truc qui est arrivé au Fist Nord. Je publierai sur l'appli quand j'en saurai plus. Super. Merci. Il adore se faire caresser. Il est trop mignon.
reconnaître des rues, des boutiques et quelques braqueur, personnes. Fermeture du fils de Harlem. C'est qui? C'est juste à côté. Le truc, c'est que. Il me reste plus beaucoup là pour. Ouais, voilà, il me manque. Il me manque un peu 1000. Braqueur de petit commerce. Ouais, on va faire braqueur de petit commerce. Des voleurs ciblent le commerce de Harlem. Ça pourrait être les mêmes qui s'en sont pris à la bodega de Théo. D'abord, explique-moi. Salut Spider-Man, enchanté, moi c'est Salut Caleb. J'ai vu votre fresque chez Théo. Oh, c'est l'autre Spider-Man ça. Mais moi aussi, je peux vous aider. Toutes les boutiques de la rue se sont fait voler des marchandises à côté aussi. Ces dernières semaines. Papeterie, outils, produits d'entretien. On est des petits commerçants, c'est une catastrophe pour nous. Vous l'avez signalé? Bien sûr, mais personne ne nous prend au sérieux. Camilla, la patronne du restaurant d'à côté, a décidé de prendre les choses en main. Elle est allée directement au centre de distribution où on se fournit. Je la retrouverai là-bas, je me rendrai utile. J'espère Merci que l'enregistrement est pas c'est trop bon d'avoir quelqu'un qui nous protège. Touk. C'est bien là-bas. Hein. Hey Ganky, je m'intéresse à des vols sur la rue principale de Harlem. Caleb's Clean Cut, c'est Panafuerte. Oh, j'adore Panafuerte. T'as goûté leurs arrêts passés? Je peux pas trop manger avant de faire des trucs de super-héros. C'est un peu comme pour la piscine. Ouais, je comprends. Alors, c'est quoi le plan? Retrouve les marchandises volées, qui les a volées, et vois s'ils ont un lien avec le cambriolage à la bodega de Théo. Ça roule. Je me penche sur la technologie, les cartes et la résolution des problèmes. Du coup, on aura fait un petit peu plus. C'est le centre de distribution du quartier de Caleb. C'est tant que l'Apple Watch, elle recharge. La police? Qu'est-ce qui se passe? Les otages? Les témoins ont vu une femme se faire enfermer dans le coffre d'une voiture après une dispute. On l'a identifiée? Grâce à une caméra Oscorp. Camilla Vasquez, elle tient le Panafuerte à Harlem. Oh mon dieu! Ils ont quitté. On va la récupérer, Camilla. Je dois essayer de la retrouver, mais la police va pas vouloir que je m'approche. Peut-être que si j'examine les indices. Camilla ne s'est pas laissé faire. Faut que je découvre où ils l'ont emmené. Ça fait un sacré bout de temps que je l'ai pas vu, l'autre Spider-Man. Il a peut-être pris sa retraite et laissé New York entre les mains d'un gosse. C'est la définition de la retraite, en gros. Ça me paraît un peu irresponsable. Un ticket de parc à Chinatown. Ok. Mais où ça, à Chinatown? Spider-Man, vous êtes sur une scène de crime. Dégagez ou je vous embarque pour obstruction. Je dois me faire plus discret, je crois. Dis donc, t'as fait un paquet d'heures sup. On manque toujours de personnel au moment des... Il me barre le chemin. Je peux examiner l'indice. C'est dur de faire la différence entre ce qui est important ou non. Une veste de chez David's Complete Auto Repair. Quelqu'un a dû l'abandonner en filant. Hé, tu sais où je peux trouver le garage David's Complete Auto Repair? Il y en a 12 à Manhattan. Il y en a un à Chinatown? Ouais, je t'envoie l'adresse. C'est parti, direction Chinatown du coup. Message de Chinatown, une femme correspondant à la description de notre victime vue dans une ruelle. On y va. On veut le... Hé hey, Spider-Man, vous avez des pistes pour nous? Ouais, les gars qui ont tout volé.
Camilla a dû les prendre en flagrant délit. Ils l'ont kidnappée. Quoi? Vous êtes sûr? Complètement. Je vais essayer de la sauver. Ah. Heureusement que vous êtes venu vous en aller. Je vais la sauver en fait. Merci. Parce que... si on la sauve pas, c'est un peu naze, on n'est pas Spider-Man en fait, on a déjà du mal à se faire accepter en tant que Spider-Man. Camilla partir. Je suis pas en train de rêver là. Camilla est dans cette voiture. Ouais. Qui fonce dans Manhattan et qui va sûrement avoir un accident. Ouais. Oh non. On va les mettre sur le pont. Arrêtez-vous immédiatement. Camilla, tout va bien là-dedans. Au secours. À l'aide. J'ai intérêt à pas rater le. On va rater le QTE à la fin, hein. Voilà. Ce coup-là, il est réussi. Je dois ouvrir ce coffre. Au secours, aidez-moi. Oui. Tout va bien, madame. Spider-Man. Je pensais pas que vous... Mais ces hommes-là... Tout va bien. Pas de soucis. Vous êtes en sécurité. Ces types ont été payés pour voler nos marchandises et faire fermer nos boutiques. Ils gardent tout sur les quais de la voie. Promoteur immobilier. Ils sont près du pont. Je vais la récupérer. Vous voulez de l'aide pour rentrer chez vous? Non, 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 je vais appeler un taxi. Gracias. Vous m'avez sauvé la vie. Pas de soucis. Regardez comment je file. De manière très naze. Ganki, Camilla est en sécurité. Elle a surpris ces types en train de voler les réserves. Quelqu'un les a payés pour faire ça. Justement, j'ai fait des recherches. Quelqu'un a déposé une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique à la mairie, pour faire fermer les commerces dans la rue de Camilla et Caleb. C'est sûrement le même gars qui paye ces criminels pour qu'ils viennent s'installer. Exactement. Du coup, j'ai déposé un recours pour demander une enquête sur l'acheteur du terrain. Mais t'es trop un génie! Bon, je pars sur l'équerre et récupérer la marchandise. Je te rappelle. J'ai foiré mon truc, mais sinon, on y aurait été plutôt correct, hein. Des caisses. Encore des caisses. Partout. Où est-ce qu'ils sont planqués, la marchandise? Eux, ils doivent savoir. Si je tends l'oreille, je saurai quelle caisse je dois ouvrir. Il faut pas qu'il me voie. Tu crois qu'il va construire quoi sur le terrain? Peut-être des apparts ou des bureaux pour faire circuler de la drogue? Possible. C'est bien pour se faire du fric rapidement. Pas de ça dans mon quartier. Aux araignées, mon pote. C'est éliminer les 2-3 qui se baladent déjà. Spider-Man. Je sais pas si je continuerai à bosser pour le Mastoc quand il sera implanté à Harlem. Pourquoi? T'aimes pas l'argent? Il y a des fois, il veut faire des trucs qui sont contre mes principes. Les drogues, le racket, ça passe. Mais il bute des gens. Je savais pas que t'étais une mauviette. Faut savoir poser ses limites. C'est pas ce que je cherche.
Le patron veut qu'on fasse fermer le fist ? Le vrai ou celui d'Harlem ? Harlem. Et il achète aussi le terrain ici. Quoi ? Personne s'en prend au fist. Ces types ne m'apprennent rien. Faut que j'aille écouter ailleurs. Vous allez faire quoi avec tous ces machins ? Des ciseaux à barbe ? Des range-serviettes ? On va tout balancer. Tu peux commencer si tu veux. Conteneur vert avec l'étoile blanche. C'est bon. Je vais pouvoir m'occuper de ces types. Sur ce coup. Désolé. Arrête de déconner, tête de toile. Va te trouver, tête. Ah ah, je te tiens. Vraiment. Où il est passé ? Non mais j'ai pas signé pour ça, moi. Il est parti ? Il vaudrait mieux pour lui. Je vais sûrement enfui. Montre-toi partout pour être sûr. Quelqu'un vient m'aider. Faudra bien que tu te montes, tête de toile. Je te couvre. J'ai entendu un truc. C'est pas vous. Hey, je les sors tout de suite. Je vais t'éclater. Descendez son cul de là. Harlem, 1. Affreux criminel qui bosse pour un méchant mystère, 0. Bon, les marchandises, conteneur vert, étoile blanche. Voilà, la marchandise devrait être là-dedans. Bloquée derrière d'autres caisses, cette grue pourrait servir. Faut bloquer le mécanisme. C'est bon. Maintenant, faut sortir l'inventaire de la caisse. C'est Spider-Man, attrapez-le ! Sérieux ? Mais vous êtes combien ? À nous tous ? On va voir si t'es si fort que ça ! Je dois te donner une bonne leçon. Votre patron vous a donné des lance-roquettes ? On ne plaisante pas. Il l'a mérité, c'est un faible. Faites attention ! C'est pas malin de s'en prendre aux honnêtes commerçants de mon quartier. Faut pas qu'ils s'emparent des réserves. Tu vas déguster. Cette fois, je te tiens. Pourquoi vous voulez forcer un coiffeur à fermer ? On en a besoin ! Viens par là ! J'ai eu tellement hâte de plus vous voir à Harlem ! Par ici, venez m'aider ! Pas grave. Pardon, j'avais oublié que j'étais avec vous.
t'es pris dans le truc. Hop là. Elles sont là. Toutes les marchandises volées. Oh, ça c'est beau ça. Caleb, j'ai retrouvé votre inventaire. Envoyez quelques ça c'est beau ça. Et je vous aiderai à le récupérer. Pour chez Chouné, si vous voulez voir si c'est un jeu de merde, si vous voulez vous taper une barre ou voir si c'est un jeu de merde. On était prêt à déclarer la faillite voilà. Et à mettre la clé sous la porte. Mais grâce à vous. Il faudrait que je retourne à Harlem. Ah bah non, j'y suis. Ok. Bon, bah on finit cette mission, puis on va au dodo. Merci mille fois. Vraiment. Je suis content. Si jamais vous avez besoin d'une coupe, venez me voir. C'est la maison qui a. Avec plaisir. Vous allez faire comment avec le masque ? Oh, je me débrouillerai. Oh yeah. Il faut bien que vous mangiez aussi. Vous êtes en pleine croissance. Si je ramène. Venez à Panafuerte quand vous voulez. Et on vous préparera quelque ça, chose. Ça, c'est gentil. Je vous remercie. Tous les deux. On vous doit une fière chandelle, Spider-Man. Tout le quartier vous en est reconnaissant. Ça va. C'était facile. Du coup, tu fais du super on prend un niveau normal. Tu m'as bien aidé. T'as une piste sur notre homme mystère. Ouais, j'ai commencé à faire une liste. Pour l'instant, j'ai Vulture, Scorpion et Tombstone. Je crois pas que ce soit le genre d'élément. Ah ouais. C'est du lourd ta liste. Mais là, on est sur du mais grand méchant quoi. Je veux pas de lui dans notre quartier. Oh, c'est la première fois que tu dis notre. Trop tard. Activité disponible. Yes, voilà, normalement on prend un niveau. C'est parfait. Gagner un point de compétence. Total 2. On en a 2. Santé plus 5. C'est bizarre qu'on en ait 2. Pourquoi on en a 2? Ok, donc il y a ça qu'on fera plus tard. Regardons les compétences. Ouais, on en a 2. Et il en faut bien 1%. Les coups de grâce génèrent 40% de barres d'électro. Alors ça par contre c'est cool. Et je pense qu'on va prendre ça et ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que ça, ça donne quoi? Tirer vers le bas les ennemis, entoilés furtivement en touchant le sol. Ils entoileront les ennemis proches. Mais ça ne pas arriver souvent. Appuyez sur L3 et R3 en mode camouflage pour redevenir visible. En libérant un... Ok, alors on va prendre quand même ça. Parce que 40% de barre d'électro-électricité, c'est vraiment fun. Et ça, débloquer une nouvelle partie plus. Ah ça, c'est quand on fait une nouvelle partie. Continuer de progresser dans l'histoire, donc non. Mais le troisième coup de grâce, c'est nouvelle partie plus. Le compteur des combos ne se réinitialise plus en mode... Ok. Ça, je trouve ça un peu dommage. Alors attendez, pourquoi on combat? Ah oui, c'est vrai qu'il y a les trucs de... un glissement vers le point pour effectuer un lancement plus rapide. Puis pendant une roulade consécutive à un atterrissage pour retourner dans les airs, réaliser un deuxième saut d'araignée sans perdre de l'altitude. Ah oui, d'accord. Ok, donc ça, il faudra le faire aussi. Alors imaginons par exemple si on cherche le défi parcours 2.0, est-ce qu'il est loin ? Défi parcours 2.0. Il est loin, hein, je crois. Oh, 2003, non, ça va. Sauf qu'on aille par là-bas pour la suite de la mission, donc... Je vous propose qu'on fasse le défi parcours 2.0, que vous voyez à quoi ressemblent les défis. Apparemment, donc j'ai fait le défi combat. Il fallait que je désarme des gens. Ouais si je crois, un truc dans le genre. J'ai fait le premier défi parcours, c'était juste... Pourquoi j'ai une cible autour de moi? Quelqu'un qui vient de me lancer un gros... Un gros roquette. Donc le premier défi parcours, il fallait que je passe au milieu de d'anneaux en faisant un lancement. Du coup, R2 et X. Et en fait, apparemment, ça offre des capacités supplémentaires. J'avais pas fait gaffe au défi combat. Alors le défi combat, c'est partie des premières choses à faire. Parce qu'au départ de... Au départ de Spider-Man, c'est... Il nous laisse ça à faire.
petit araignée sympa du quartier signale une vente d'armes en cours à proximité. J'ai raté mon coup. Donc là, je sais pas ce que ça va être. Même principe, il y a toujours un temps imparti pour le réaliser. Je dois vous avouer que j'en ai pas fait un seul une fois en or. Mais ça te dirait qu'on pimente les choses ? Ce défi va te permettre de pratiquer toutes les formes de déplacement. Approche-toi du point de départ et on toutes les formes de déplacement. C'est rapide, allez. Par où ? Sur les murs, c'est trop bien. Mais attention, vraiment désolé. J'ai un temps de merde. Allez, allez, j'y suis presque. Ah non, j'ai fini spectaculaire. Parce que moi, je l'ai trouvé spectaculaire. Oh joli. Moins de 32. Tu peux rebondir juste après avoir atterri. Donc compétence régulière. Récupération rapide. C'est cool, non ? J'enchaîne direct. C'est bien ça. Que par exemple, si je fais genre ça. Ah oui, ok. Ah oui, effectivement. Alors, je sais pas si vous avez vu. En gros, quand on retombe sur un mur, genre comme ça, hop, on fait une roulade et quand on reprend, on repart directement dans les airs, il est pas là à attendre. Est-ce que ça marche aussi avec la route, par exemple ? Si on tombe sur la route. Ouais, ok. Donc, même si on tombe sur la route et qu'on roulade, on n'est pas obligé de repartir avec un X, on repart automatiquement. Imaginons le dernier défi parcours, il serait où ? En plein milieu de Central Park. Salut ! Je tenais à dire qu'on a une sacrée veine d'avoir le nouveau Spider-Man. Eh oui, pas de censure avec moi. Je vous dis ce que je pense. Une femme de Harlem a été kidnappée récemment. Spider-Man l'a retrouvée avant même que la police ait eu le temps d'enregistrer sa disparition. C'est pas facile pour Harlem depuis que Roxxon s'est implanté. J'espère que la présence de Spider-Man redonne plus d'espoir en cette période de fête. Je vous invite tous à encourager Spider-Man sur les réseaux sociaux et à faire un don à la campagne de Rio Morales si vous ne voulez pas que le quartier tombe aux mains d'une multinationale. Et rappelez-vous, nettoyez le filtre de votre sèche-linge après chaque machine. Ok, donc je sais pas ce que c'est ça parce que dans. Ok, ça c'est le défi ultime. Dans ce défi, tous les points de contrôle sont actifs en même temps. C'est à toi de déterminer le chemin le plus court. Approche-toi du point de départ et on peut avoir. Vas-y Pete, je suis prêt. N'oublie pas,
pied et de se lancer. Avec une marge de manœuvre proche de zéro. Facile, je peux y arriver. C'est bon, bien, Mike. T'arrêtes pas. Je dois me fier à mon instinct. Repère les prochains points de contrôle. Tu vas calculer ta trajectoire au fur et à mesure. Ce défi m'oblige vraiment à réfléchir dans l'instant. Peter est clairement un super prof. Pas du tout, puisque je suis perdu. J'avais jamais vu Central Park sous cet angle. C'est vraiment chouette. C'est quoi cette odeur? Des amandes grillées? Oh, je devrais m'arrêter pour en prendre. Non. Non. Concentre-toi, Miles. Allez. Ah putain, à si peu. Oh. L'inverser ? Vraiment ? Mais ça risque de... Oh, il a raison. Il a trop raison. Bien vu ! De quoi ? J'ai pas tout suivi, là. Toile rapide. Réaliser un deuxième saut d'araignée sans perdre de l'altitude. Ok, bon. Ok, rien d'exceptionnel, quoi. On va aller choper la capsule temporelle qui est juste en face et puis 1, 2, ouais c'est quand même vachement plus pratique. Hein. On adorait ce musée, on s'est amusé à cacher cette capsule pour faire croire qu'elle faisait partie du bâtiment. Pingpot. Ok. Eh bien, écoutez, Central Park, on a tout. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. On reprendra l'histoire plus tard. Je vais aller me coucher un peu plus tôt, un peu plus tard que prévu, du coup. Mais au moins, on est niveau 15, machin. On a plus de compétences, plus de machin. Ça fait 1h30 l'enregistrement, pot. Bon, bah, bonne journée, tout le monde. Ciao ciao, bye bye YouTube, salut salut.